Je l'espérais ce moment-là. On m'a dit, ouais, ça se voyait que tu étais ému. Ben oui, j'étais ému. 1500 personnes là sur la place du village qui s'amusent, qui ne se connaissent pas. C'était le top du top. J'ai décidé, ben, avec mon association, de préparer le championnat du monde de la danse des canards, où il y avait déjà eu deux records avant d'établis, à Bruxelles, en Belgique, et à Moïlac, dans le Finistère, en Bretagne. Le record était de 572 participants, et moi, je m'étais basé sur 1000 participants, ce qu'on a atteint. Et depuis hier, eh bien, c'est nous qui avons pris le record. Notre plus jeune, on va dire, participant avait 6 mois, et le plus ancien avait 92 ans. Donc ça a été ouvert vraiment à tout le monde. Mais j'en aurais eu 1500, chapeau, ils partaient aussi, puisque j'ai dû même refuser des participants. Enfin, ils ont dansé quand même, mais bon, sans chapeau. Et pour officialiser le record, il fallait vraiment un chapeau comme celui-là. J'ai décidé ça, il y a un mois. J'ai mis les personnes de mon association au courant, ils m'ont tous regardé avec des yeux, faire venir 1000 personnes avec un chapeau jaune sur la tête, arrivé autour, faire la danse des canards. Tout le monde m'a regardé un peu, mais t'es fou, j'ai dit si, on va le faire, on va y aller, on pose. Et l'idée, c'était ben, de parler les temps qui courent un peu morose, de faire du bien un peu aux gens, et dans nos villages, à nous, en Lozère, on est un peu la pampa de la France, on va dire, la Lozère. Il y a des gens qui sont venus de départements voisins, du Gard, de Montpellier, de Perpignan, qui ont suivi la communication qu'on avait fait pour l'événement et qui sont venus exprès s'amuser avec nous pour faire ce record de la danse des canards. Les gens, en fait, l'avaient déjà répété chez eux parce qu'avec une répétition, c'était déjà quasiment au point. Là, on voyait vraiment que les gens avaient vraiment envie de se réunir, de boire un coup ensemble, de s'amuser, de danser. Je l'espérais ce moment-là. On m'a dit, ouais, ça se voyait que t'étais ému. Ben oui, j'étais ému. 1500 personnes là sur la place du village qui s'amusent, qui se connaissent pas. C'était le top du top. Le record, on va tenter de le faire homologuer, voilà, parce qu'il fallait le filmer. Et après, on va faire un dossier qu'on va envoyer au Guinness Book. J'ai des petites idées dans la tête. Il pourrait que l'année prochaine, on fasse un autre défi sur une autre danse et que les chapeaux soient de couleur rose cette fois-ci. Moi, je me suis nourri de ça, de voir le sourire des gens. Et là, voilà, c'était vraiment super.